Tu dois confondre Last of Us, Kenji. Pas de série dans tes villes, hein, Nono, hein. C'est pas fait pour rigoler. Chose à récupérer. Il y a ce fusil là qui me nargue à travers le mur. Merde, t'aimes pas Kenji, alors ton avis il compte pour zéro, poteau. Tu critiques juste. Bon, honnêtement, le jeu, je trouve super cool quoi. Et l'ambiance, putain, elle est oppressante à mort. Non, la baise. Faut que je jette quelque chose. Il y a des munitions pour pistolet, je les veux, quoi. Bah, vu que je l'ai regardé, je peux balancer maintenant ça. Non, on peut pas. D'accord. Faire des combinaisons non plus. Putain, l'inventaire il est super ricrac, c'est abusé quoi. Est-ce que je jette les munitions pour ça? Bah, merde, j'ai rangé le pistolet. J'aurais jamais dû ranger le pistolet. Tant pis. Putain, mon inventaire est full, ça fait chier. Faudrait que je trouve une autre salle pour sauvegarder. Je suis sûr qu'il y a un truc par là. Fais chier, j'ai l'inventaire qui est full. Je peux pas ramasser la statue. Ouais, c'est un peu ce que je me dis aussi, Telos. Quand le jeu commence à te donner plein de balles et plein d'herbes, ça sent la baise. Y a pas un coffre de rangement dans cette pièce? Le problème, c'est que j'ai pas le flingue sur moi. J'ai plus. Faudrait que je retourne en arrière et que je redescende. Alors attends, je suis dans la salle de jeu. Il y a la chambre de grand-mère là où il y a les scorpions. Chambre d'enfant. J'ai tellement pas envie d'aller dans la chambre d'enfant. Mais je pense que je vais redescendre dans le grand vestibule et je vais aller stocker des trucs et récupérer le pistolet parce que là, ça pue. Ça c'est la chambre d'enfant quoi. Putain, j'avais oublié la vieille. Je peux pas lui mettre de coups de couteau à la vieille. Le jeu il veut pas.
Mais tu sais, ça me ferait trop peur que ça fasse comme dans Doctor Who avec les anges. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Quand tu les regardes pas, en fait, ils avancent. Evelyne de mai 2014. C'est genre, dès que tu lui tournes le dos, la vie, elle se rapproche de toi. Je peux pas y aller, j'ai pas le mécanisme pour ouvrir la porte de la chambre d'enfant. Sinon, j'y serais allé. Là déjà j'ai récupéré une des têtes de Cerbère, du coup je vais la foutre. Les bubble heads, faut les casser. Je vais mettre une des têtes de Cerbère. Salut Monsieur Padak, merci pour le follow. C'est sympa, merci à toi l'ami. J'entends des bruits. Il y a toujours, c'est toujours cet angle-là, je sais pas pourquoi, il y a un petit coup de freeze. Je vais aller sauvegarder. Je vais aller récupérer le gun. Là, par contre, je suis tellement mauvais pour gérer les munitions, ce genre de truc. J'ai pas encore de fusil. Alors pour l'instant, ça on peut stocker. Les pièces, on va stocker. Ça dit que quand j'ai dans mon inventaire, ça augmente ma défense. Du coup, j'ai bien envie de le garder. Ça en stock. Récupérer le pistolet. Du coup, les clés de voiture, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Ce qui fait chier, c'est qu'en haut, il me semble que j'avais trouvé un endroit. Un truc pour faire des machins de vie, etc. Ouais, faut que j'aille poser le pendule aussi. Le problème, c'est que là, j'ai pas les munitions. Du coup, j'aimerais bien aller chercher les munitions, mais bon, on va aller poser le pendule. Et j'ai peur de tomber sur le fils. Par contre, ta gueule l'horloge quoi. Juste ta gueule. Fais pas de bruit. Pour l'instant, j'ai pas vu de logo Umbrella, j'ai pas vu de truc comme ça. Il y a une histoire de tempête avec un bateau qui s'est écrasé dans le bayou. Et je sais pas trop, les gars sont infectés de manière à ce que ils se régénèrent, tu vois, par exemple, moi. Hop. Tu vois ma main là, il y a des agrafes. Je me suis fait couper la main, ils m'ont mis une main et ils m'ont mis un produit dessus. Et pareil, je me suis fait couper la jambe, ils m'ont recollé comme ça. Du coup, je pense qu'il y a un côté virus, un petit quelque chose. Un côté t'es infecté, tu vois. Le coup de la jambe, c'est abusé, quoi. Ah, d'ailleurs, ils m'ont coupé la jambe, mais je me rappelle que dans le coin là, il y avait une botte. Est-ce que je peux mettre la botte? Ou alors c'était juste pour te dire, dans cette salle, tu vas te faire couper une guibole. Ah, t'as vu le père, hein? Putain, tu lui en as mis plein le buffet, etc. Il en avait rien à foutre, il se relevait, hein. Donc je pense que. Au bout d'un moment, on risque de bien être infecté comme lui, quoi. Hop, deuxième tête de Cerbère. Là, à mon avis, la statue en bois qu'il y avait dans la baignoire, faut que je la pose là pour en faire un oiseau. Alors comment, je sais pas, mais à mon avis, ça doit être là.
Je vous avoue que des Resident Evil, j'en ai fait aucun. Donc c'est pas compliqué. J'avais acheté celui sur GameCube qu'ils avaient refait en mode tout beau. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais à l'époque, je m'étais tellement chié dessus que j'avais pas beaucoup avancé. En fait, le tout premier zombie m'avait tué tellement de fois. Et en fait, fallait juste retourner en arrière et Barry lui mettait une balle dans la tête, quoi. Bon, ici, il y avait pas mal de trucs à ramasser. Ah, par contre, Dino Crisis, celui-là, ouais, je l'ai fait. Parce que du coup. Ah, du coup, j'ai des balles. Comment on recharge? Voilà. Ah, on se sent quand même plus en sécurité avec un gun, hein. Ah non, mais au tout début du jeu, laisse tomber, j'avais tellement peur d'avancer quoi. Mais là c'est bon, je me suis un petit peu mis dans l'ambiance. Ça va un peu mieux. Hello Crazy! Ouais, ça c'est l'oiseau. Voilà. Des balles. Donc là, on va les mettre la statue. Mais c'est vraiment. Oh putain de sa mère la pute! Il est encore vivant! Ma petite fille nous a donné un don. Comme tu peux le voir. En un mot commençant. T'es foutu! Je peux pas ralentir, genre lui tirant dans un genou. Laisse-moi! C'est bon, je crois que je l'ai semé. Ça sert à rien. Tout à l'heure, il s'est mis une balle lui-même dans la tête et il se relève là. On peut pas le tuer, quoi. J'avoue, il n'y a plus la vieille. Ah, là, il faut que j'utilise pour faire l'oiseau. J'aime beaucoup ce système. Je trouve ça très cool. C'est pas assez précis. Voilà. Qui a construit cette baraque? Putain d'enfoiré. La maison, c'est un remake de Cube. Salut Morphus. Bah celui-là, honnêtement, l'ambiance est super oppressante, le jeu est cool, hein.
Après, les jeux qui font peur, c'est pas ma came du tout, hein, faut savoir. Hein. Moi, je me chie dessus. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais bravo avec mes fesses. Hein. Honnêtement, le jeu est grave cool. Ah, une bubble head. Ah, j'ai bien fait de fermer les portes, ça le ralentit, du coup c'est pour ça que j'ai pu lui échapper. Il n'y aurait pas un truc dans la cheminée comme tout à l'heure. Putain, le jeu est tellement généreux en balles de pistolet, c'est tellement pas bon signe. Après, si le mob, tu peux pas le tuer. Une espèce de clé bizarre pour le voir. Un corbeau à deux têtes? What the fuck? Là, ils m'ont donné des psychosimulants, je sais pas quoi, pour voir les objets. Donc, ça doit être pour voir les trucs que je peux ramasser. J'ai envie de les utiliser maintenant pour voir, parce que, à mon avis, c'est une. C'est une technique pour te faire trouver un objet que tu vois pas en principe, mais. Il a l'air d'avoir une arme là, putain. Bah, je suis pas fan des Resident Evil, mais là honnêtement c'est cool. Même si bon, encore une fois, je fais un peu trop bravo avec mes fesses. Hein. Tac, psychostimulant. Facilitant le repérage des objets. Je sais pas. Je sais pas si je l'utilise maintenant ou pas. Bah, t'as toujours le craft, tu vois, pour te faire des trucs pour 13 ou des armes. Enfin, des munitions. Ça, c'est cool, ça, par contre. J'aime beaucoup. Il faudrait que je trouve des crochets pour crocheter les serrures. Là, tu sors, Kenji. What the hell? Je sais pas si c'est une bonne idée d'y laisser là. Et je sais pas trop ce que c'est. On dirait des asticots, mais c'est un peu trop bizarre. Et j'aime pas du tout le bruit que ça fait, cette saloperie. Encore une pièce. Il va y avoir une machine à sous pour ces pièces. Tous ces gens sont peut-être des victimes. Mais c'est vrai que je suis en Louisiane. Je sais pas ce qu'ils ont avec la Louisiane, mais ils aiment bien faire des trucs dans les bayous, etc. "14 juin, couple en vacances. Résultat concluant pour le mari, il est le 12e. Malheureusement, la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. 7 juillet, trois étudiantes. Elles ont pourri toutes les trois. Lucas est un imbécile. 13 août, sans abri, il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Putain, il y a tant d'infectés que ça. C'est pas cool. Il me faudrait des crochets pour un truc. Est-ce qu'avec la poudre à canon, je peux pas faire quelque chose? Moi, j'aime beaucoup le fait que, comme dans tous les Resident Evil, t'as beaucoup d'herbes. C'est comme dans le truc avec le joueur du grenier où il disait, ouais, on avait plein d'herbes pour soigner. C'est tellement ça, quoi.
pas si en revenant plus tard, hein, ça aura disparu. Pas se planquer sous la table. Ah, moi j'adore les films Resident Evil, quoi.